Et bonjour à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle playlist, nouveau let's play sur un jeu qui a l'air incroyable. C'est SnowRunner qui vient de sortir, qui est disponible que sur l'Epic Store. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors on va juste baisser un tout petit peu le son, parce qu'il est à fond les ballons. Voilà, on va le baisser un petit peu, tac, 50%, ça m'a l'air pas mal, encore un petit peu peut-être, 40, maybe. Voilà, on baisse un petit peu le son comme ça n'a pas l'air mal. Alors c'est un jeu où apparemment on va dépanner. On a des 4x4, des camions, des trucs comme ça. Il y a des missions à faire, on va dépanner. Voilà, des gens qui se sont embourbés. On va aller voir un petit peu ça. J'ai vu 2-3 let's play, ça a l'air monstrueux. Donc je vous préviens, il va probablement... Je vais saigner le jeu. Je pense que je vais avoir la playlist entière du jeu sur la chaîne. Et j'espère que ça va vous plaire, les amis. Bienvenue dans le Michigan. Nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique. On va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré. C'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière. D'abord, vous allez devoir trouver une tour de guet pour avoir une vue d'ensemble de votre environnement. Ensuite, vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre votre premier garage. Ok, annoncer espace. Voilà, tac. Oh, déjà c'est magnifique. Alors je joue au clavier à la souris, hein. J'ai pas de comment ça s'appelle de voilà. Mais déjà le jeu est magnifique. Je vais remonter un peu le son. Exploration, la carte. La première chose à faire est d'explorer votre environnement proche. Appuyez sur M pour ouvrir la carte. Ok. M, ça marche pas. Ah, c'est virgule, ok, c'est en anglais. Et oh, la vache! Ok, ça n'a pas l'air si grand, mais je suis peut-être tout petit, hein. Donc, c'est peut-être super grand, en vrai. Hein. Exploration, objectif. L'objectif que vous suivez est toujours affiché ici. Nous allons trouver cette tour de guet. Avec plaisir, tonton. Avec plaisir. Échappe. Ok, d'accord. Donc là, j'ai le frein à main, je vois, en bas à droite. On peut voir que j'ai le frein à main. Et que pour le désactiver, il faut que j'appuie sur espace. Je vais juste monter un tout petit peu le son, histoire que vous entendez un peu mieux. Parce que le son dans volume interface musique, ambiant, camion, d'accord. Le principal, on va le mettre à 55. Voilà. Allez, let's go, les potes, let's go. Let's go, let's go. Donc on a le frame, on fait espace. Hop, là, vous voyez à droite? Hop, hop, hop. Là, il y est, là, il n'y est pas. Allez, let's go. Donc, il y a d'autres trucs, hein. Ouh, ça démarre, c'est magnifique. Regardez-moi ce beau moteur là, de cette belle petite Chevrolet. Ok, donc on tourne comme ça. Ok, oh, c'est de la boue, c'est de la boue. On va passer sur le teco de la boue, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh là là, il y en a de la boue là. Allez, tonton, fais-toi plaisir. Ça passe. Oh la vache! Vitesse basse. Quand vous conduisez sur des terrains difficiles, vous pouvez passer en vitesse basse. Ça vous ralentira, mais diminuera le risque de rester coincé. Maintenez Shift et bougez la souris vers la gauche pour activer la vitesse basse. Ah ouais? Ah ouais, hop, hop. Donc là, je suis en automatique. Là, à gauche, je suis en vitesse basse. Là, je suis en marche arrière. Et là, N, c'est le point mort. D'accord. Oh, c'est énorme ça. Donc là, si je me mets en vitesse basse. Ok, je peux faire OK. J'ai moins de chances de m'embourber. Comme c'est bien fait. On va essayer de récupérer un peu de terre sur le côté là. Parce qu'il n'arrive pas à avancer le pauvre truc. Il est en galère totale. Ah, c'est un peu plus dur. Conduite AWD. Votre camion est muni d'une transmission intégrale. L'AWD vous sera utile sur des terrains difficiles, mais augmentera votre consommation de carburant. Appuyez sur E pour activer l'AWD. Ah, c'est ça doit être le 4 roues motrices, les potes. Hop, j'appuie sur E. Ah ouais. Ah ben là, ça va pas être la même limonade. Hein. Là? Là, j'ai envie de te dire, je passe en auto. Voilà, je mets même pas vitesse basse, ça sert à rien. Vous devriez stopper la vitesse basse. Ah ben, c'est ce que je viens de faire, tu vois. Ah, faut aller là-bas, je crois. Donc là, je consomme plus de carburant, par contre. Mais voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça avoine, par contre. Hein. Ça avoine easy peasy, là. Wouhou! Ah ouais, oh la vache, faut rester tranquille. Hein. Faut se détendre. Hein. Dès que tu prends une petite bosse, tu sens que ça pagaye, hein, je te le dis. Hein. Ok, calme-toi. Tout va bien se passer. Voilà, donc là on va enlever la 4 roues motrices, ça sert à rien sur la route, je pense. On est en auto là, les gars, on est en deuxième vitesse. Chaud, chaud, chaud. Ok, c'est pas mal.
Où est-ce qu'il faut aller là? Faut aller là-bas? C'est par où ça? Ok, c'est par la gauche. Yes, baby. Allez, let's go. Let's go, let's go. C'est magnifique, hein. Je vous le dis, le jeu est magnifique. Il est très très beau. Allez, pousse. Putain, mais oh, ça avance pas. Oh la vache. Le pauvre truc. Ils m'ont donné une camionnette, les gars. Oh, c'est un... S'il faut passer des délires comme ça, là, bon, on va s'amuser. Ils m'ont passé des... Ils m'ont passé un 4x4. Il est moisi, hein. Il est dead. Bon. C'est bien par là, au moins? Ouais, ça a l'air d'être par là. On peut peut-être passer par en dessous aussi. Non, je pense pas. Ça a l'air d'être par là, je pense. Ok, les potes, on va repasser en 4 roues motrices. Lecture du terrain. Vous rencontrerez différents types de terrains comme de la route, de la terre, de la boue épaisse, de l'eau, des éboulis rocheux, de la neige et de la glace. Seuls les conducteurs les plus expérimentés à bord de véhicules bien équipés savent bien conduire sur tous les types de terrains. En cas de doute, il n'y a pas de honte à éviter le danger. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de terrains dans l'encyclopédie disponible dans le menu échappe. Ok. Bon. On va déjà commencer, si tu le veux bien, par peut-être passer à la limite en vitesse basse. Là, j'ai mis le 4x4 là. On va passer en vitesse basse mode 4x4. Et on va essayer de pas trop passer dans la boue, tu vois. On va passer sur le teco de la boue, hein, au max. Ça, c'est vraiment bien fait. Hein. Oh, c'est vraiment bien fait. En fait, la route, elle est cléblo parce qu'il y a du. Il y a l'air d'avoir une petite inondation sur la route. Mais bon. Au final, on va passer là. C'est un peu plus petit, mais ça revient au même. Qu'est-ce que c'est bien fait la gestion des textures du sol là, c'est impressionnant. Hop, on va essayer de passer par là. Tac, tac, nickel. Bon, on va pas se faire embarquer. Niveau d'eau dangereux. Oh, sans déconner. Alors c'est bon. Ouf. Allez, pousse, tonton, pousse. On va essayer de passer plutôt par le teco. Oh, que c'est dur. Que c'est dur. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. 1 litre 4. À la minute, je consomme 1 litre 4 à la minute. Oh, mais c'est un délire. Quoi, ce bordel? Hop, on va repasser en automatique, que ça pousse un peu là. Voilà, est-ce qu'il n'y a plus la montée? Voilà, c'est ça qu'on aime. Voilà. Ouh là là, il y a un gros rocher là. Essayez de pas se le manger. Aïe! Oh, j'ai de la vache. Station service. Vous pouvez faire le plein ici ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporter du carburant. Faire le plein est gratuit, comme les réparations. Essayez de faire le plein aussi souvent que possible. Bah vas-y, hein. Go. Hein. On va enlever de 4 roues motrices là, on est sur la route. Ok. Voilà. T'appuies sur C en fait. Après sur F et ça te remplit ton carburant. Bah nickel. Très bien, à l'ancienne. Hein. Sur le mec qui fait station-service, barbier, boîte de nuit, esthéticienne. Bon, on est où là? Vous avez découvert une station-service, vous pouvez l'utiliser pour faire le plein gratuitement n'importe quand. Vous pouvez également utiliser ces stations pour approvisionner vos citernes. D'accord. Et moi, il faut que j'aille ici là. Tour de guet, let's go. Let's go, les amis. On est pas. On voit rien là. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là on est pas mal, on est en auto. On est en auto sans les 4 roues motrices, donc on est bien là. Je suis full, elle est juste en bas là. Les litres et tout de. Donc ça c'est pas mal. De ce que j'ai d'essence. On va y arriver. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bad là? Faut que j'aille où? Ah d'accord, il y a un souci là, je suis pas allé au bon endroit là, merde. Faut que je fasse demi-tour les gars, faut que je fasse demi-tour. Pas aller au bon endroit du tout là. D'avoir un petit chemin à récup dans le coin là, ça doit être là le chemin je pense. C'est ce chemin là. Ouais, ok, c'est ce chemin. Attends, c'était sûr que c'est ce chemin? Ouais, je suis sûr. Ouais. En fait, fallait prendre là. En vrai, fallait prendre là en vrai. On va prendre là-bas, hein. C'est ce qu'on aurait dû faire. Donc on va suivre ce qu'on nous dit, hein, parce que sinon on va pas y arriver. C'est le tuto là. Allez, let's go. Tac. Attention, j'arrive les gars, j'arrive, je suis en quatrième, je suis en quatre. Oh putain! Calmez-vous, calmez-vous. Ah, c'est reparti pour la boue. Oh la vache! Mais il y en a de la boue là. Bon, là déjà, on va passer direct en mode 4 roues motrices. Tac. On va passer direct en vitesse basse. Et franchement, en vrai, on va passer sur le teco, regarde.
Si j'y arrive. Ah, je glisse. Ah, je glisse. Bout de malheur, je te jure. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Regarde. Au calme. Voilà. C'est qui le papa? Bon, ça va passer, mais. Oh la vache. Attends, mais la boue, par contre, mon gars, c'est pas de la boue, laisse tomber. C'est sable mouvant le truc. J'adore ce jeu. Ok. On est pas mal. Calme-toi, calme-toi. On est pas mal, les gars, on est pas mal. Vitesse basse, c'est important, je pense, hein. Ça te permet de pas trop t'embourber. Là, je suis pas sûr que ce soit bien indispensable la vitesse basse en vrai sur des terrains comme ça, là. Je pense que c'est plutôt quand t'as vraiment de la grosse. Remarquez cette tour de guet devant vous. Ces icônes vous servent à détecter les zones d'objectifs près de vous avec laquelle vous pouvez interagir. Ok. Ouais, ça sert à rien en fait, je pense, le truc bas là. Tu vois, ici c'est pas assez en... ça emborde pas assez en fait. Oui, c'est cool, papa! Tour de guet découverte. Bravo, vous avez découvert votre première tour de guet. Découvrir des tours de guet vous dévoilera des parties de la carte. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter des matériaux. Ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure. Objectif, trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Ok. Du coup, faut aller là, c'est ça? Alors attends, il y a plein de trucs là. Usine à bois. Ça, je sais pas ce que c'est. Remorque à rambarde, d'accord. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le camion qu'il faut que j'aille chercher, je crois. Ça, c'est le camion que je dois aller chercher, je pense. Améliorer. C'est-à-dire. Découvrir les tours de guet dévoilera une partie de la carte. Les brouillards couvrent le point d'intérêt essentiel comme les objectifs, les améliorations et les véhicules. Ok. Donc, GMC. Ok, donc moi, je veux aller là. Donc, comment on fait? On peut pas aller vers le joueur, accélérer le temps, carte globale, ajouter un point de destination. Oh la vache, ok. Faut que je fasse mes destinations. Oh, what? Ok. Donc là, il va falloir que je fasse comment? Là. 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 Faire soi-même ces trucs, en fait. C'est trop bien, ça. Hop. Ensuite, je vais là. Là. Et de là, je vais au camion. On sera pas mal là. Je vais aller récupérer ça, les potes, vous allez voir, ça va être vite. Hop! Ah mais c'est trop bien fait les mecs, c'est trop bien fait. Allez, là il y a un peu de boue, mais ça devrait le faire. Ouh, ça va monter là. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse, 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 pousse. Nice, lui, ça, c'est de la bête, ça. C'est ricain, ça, hein. De toute façon, les ricains, les mecs, c'est les meilleurs. Oh la vache! Ouais, du caillou et tout, là. Oh. Ok, j'ai freiné, ça s'est détendu direct. Allez, vas-y, envoie tout. Envoie tout. Je suis à fond. Je suis à fond, j'arrive pas à descendre, les gars. Oh la vache, ça, c'est de la vraie boue, par contre. Oh là, elle est profonde, celle-là. Pas mal, pas mal. Attention, encore une petite descente, on s'accroche. On s'accroche, les gars. Propre, propre. À gauche, toutes. Oh là, mais c'est que de la boue dans tout le pays, en fait, c'est ça? Wouhou! Je suis trop chaud, je suis trop chaud, les gars. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Oh là 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 là, mais quelle maîtrise du Chevrolet! Allez, pousse, 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 pousse. Nice. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Nouveau véhicule découvert. D'accord. Et mon 4x4, j'en fais quoi? Me dis pas que je vais devoir l'abandonner, je l'aimais bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Trouver le camion, ben il est là. Il est là, les gars. Faut que je rentre dans le carré blanc, c'est ça? Je me demande s'il faut pas que je rentre dans le carré blanc pour le récupérer ou. Voilà. Camion découvert. Vous avez trouvé votre premier camion d'autoroute. D'autoroute? Je suis pas sûr qu'il y en ait dans le coin. Ce camion est conçu pour la route, il n'a pas de capacité hors piste incluse. Essayez de ne pas aller dans les marécages ou dans la boue épaisse. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de camions dans l'encyclopédie disponible dans le menu échappe. Ok, pour entrer dans un autre camion, ouvrez le menu fonction en appuyant sur B et choisissez l'option changer de camion. Ah. Changer de camion. Choisissez ensuite le camion que vous voulez souhaiter utiliser.
Oui. Ah d'accord, il fallait que je clique là. Ah d'accord. Bon, ce n'est pas le meilleur camion pour le travail, mais on va faire avec. L'entreprise Steel River Township vous attend pour réparer le pont. Vous pouvez trouver des contrats comme celui-ci dans le menu de la carte. Ok. Appuyez sur M. Bon, du coup, c'est virgule, moi, mais... Ah, et en fait, du coup, sur la carte, tu vois où sont les différents trucs et tu peux aller les récupérer, quoi. Tu peux aller les récupérer. Donc, où est-ce qu'il faut que j'aille, là, les gars? Consultez d'abord l'onglet contrat. Ok, c'est là. Les contrats sont des objectifs importants qui demandent de la préparation et du temps pour leur accomplissement et pour lesquels il faut souvent aller repérer la zone en amont. Ah ouais, carrément. Steel River Township. Vous pouvez voir une liste des employeurs disponibles dans la région du Michigan. Ils vous offrent des contrats liés à leur activité. Voyons ce que Steel River vous propose. Certains contrats sont verrouillés, mais vous pourrez lire les détails et découvrir comment les déverrouiller. Examinons le contrat à réfection de vieux ponts. Pour terminer ce contrat, vous devez accomplir deux objectifs. Ils doivent être effectués dans l'ordre. Acceptons le contrat avec entrée. Génial, vous disposez maintenant d'un véhicule puissant qui peut transporter les charges plus lourdes. Le seul problème, c'est que vous êtes coupé du continent. Ah ouais, reconstruisez le pont pour accéder au garage. Livrez au vieux pont planche de métal x1 et livrez au vieux pont planche de bois x2. D'accord. Donc, je l'active. Des marqueurs supplémentaires sont apparus. Celui de la ville indique l'entrepôt où vous pouvez récupérer la cargaison. Alors attends. Celui de la ville. Ah, c'est là, c'est ça? Ouais. Ah non, c'est une remorque, ça. Comment ça, celui de la ville? Ah, si, c'est ça. C'est là. Le marqueur près du cassé indique le lieu de livraison. C'est là. Ok. Allons voir l'entrepôt en ville. Ok. Donc, du coup, je suis où? Soyons sérieux, je l'ai récupéré où ma tuture? Hop. 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 On va partir comme ça. Réparer le pont. On est prêt à réparer le pont. Ce camion a de la place pour une cargaison. Chaque camion a une capacité de transport différente, mesurée en emplacement. Ce camion est capable de transporter deux emplacements de cargaison. Trouvez les matériaux qu'il vous faut pour réparer et livrer le pont au site de... Ok, c'est parti. Ok, donc là j'ai le frein à main. Let's go les potes. Oh la vache! Alors lui il a pas de 4 roues motrices. D'accord. Celui-là il a pas de 4 roues motrices. Oh la vache, il a l'air lourd, 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 lourd. Allez, tourne. Oh, l'engin, les gars. Oh, le bordel. Il tourne pas, le pauvre truc. Oh, la PLS du bordel. Turbo, je sais, pousse, 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 pousse. Bon, on va jamais y arriver. Oh, matelot. Ah, ben, en fait, il a toutes les roues qui tournent, lui, là. Ok. Je le vois, là, il a... Oh, mais la galère, il va mettre 8 ans. Il va mettre 8 ans à passer, ce pauvre truc. Oh, la PLS. Ok, c'est bon, ça passe. Eh ben... Je comprends pas pourquoi ils leur fournissent pas des Twingo. Avec une Twingo, tu passes partout. Hein, c'est ça qui me dégoûte. Allez. C'est bien fait en tout cas. Qu'est-ce que c'est bien fait? C'est la folie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, c'est mon marqueur, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouh, mais par contre, ils bombardent. Hein. Je suis en cinquième là, les mecs. Je dois être à au moins 35 km/h. C'est assez incroyable. Ouais, d'accord, tac. Oh, il est trop chaud, faut se détendre. Alors je crois qu'il faut pas trop taper les murs et tout parce que tu fais des dégâts et... Mais tu peux réparer gratuitement, je crois. Ok, on est en ville. Une remorque pour les bateaux là, super important. Ok, là c'est à gauche. Ouais. J'arrive. Poussez-vous, j'arrive. Et je te garantis que mon tutu, là, même si je freine, il s'arrête pas, je pense. Hein. Après, avec un volant, ça doit être extraordinaire comme... Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Il est là l'entrepôt. Ok, faut se mettre dans le jaune là, c'est ça? Ah, attends, ils te font passer entre les immeubles et tout. Ah, ils vendent des pizzas ici, ça m'intéresse. Gestion cargaison. Oh, planche de métal. Il y a plusieurs façons de charger une cargaison choisie. Le chargement automatique est le plus simple et le plus rapide. Il n'y a pas besoin d'utiliser une grue. Ok.
Chargement cargaison. Les planches de métal sont un matériau de construction polyvalent utilisé pour supporter des charges dans les bâtiments et les infrastructures. Elles sont souvent utilisées dans l'industrie lourde et la construction de machines. Donc voilà, on est pas mal. Ok. Hop, hop. Maintenant, il faut qu'on aille là-bas en bas, les livrer, c'est ça? Ou comment ça se passe? Donc là, planche de métal fois une. D'accord. Maintenant, faut aller là. Oh la vache. Donc, tac, tac. En fait, j'ai juste à suivre, en fait, hein. Je mets des marqueurs, histoire de me dire, ah, je suis là. Oh, il y a de la route, là, les gars. En plus, sur la map, t'as l'impression que c'est de la route. Mais bizarrement, en vrai, c'est pas du tout de la route. Je sais pas si t'as remarqué. Allez, let's go. Oui, où tu vas? Oh la vache, je suis beaucoup plus lourd, là. Oh la vache! Pour vous atteler à des remorques trouvées dans la nature et les utiliser à votre guise, atteler une remorque s'effectue depuis le menu fonction. Plusieurs facteurs peuvent vous empêcher d'atteler une remorque, notamment la distance d'angle d'approche. D'accord. Bon, déjà, on envoie ça, non? On va déjà emmener ça. Quoi ça? Attends. Pour atteler une remorque, vous devez vous rapprocher avec l'arrière de votre camion. Quand vous êtes suffisamment prêt, appuyez sur V. Donc quoi, il faut que je récupère celle qui est là-bas, c'est ça? Vous pouvez voir? Parce que là, je vois qu'il y a une remorque, là, il me la montre. Remorque à rambarde. Il y a déjà des trucs dedans. Et moi, il faut que je fasse ça en deux fois, non? C'est des rambardes. Alors là, ce qu'il me faut, c'est des planches de bois. Ok, on va livrer. Ah, usine à bois, je peux peut-être récupérer celle-là par contre. Ah non, c'est la même. Est-ce que tu crois que si je prends ça, c'est ok? Est-ce que tu crois que mon boui-boui... On va tenter le tout pour le tout, les gars. Remorque à rambarde découverte. Putain, de panneaux de merde, de chiasse là. Ouais, bougez-vous du milieu là. Voilà. Pas le temps de niaiser là. Mais et là, j'avancerai plus, c'est sûr, les gars. Là, j'avancerai plus là. C'est bon? Et qu'est-ce que. Comment on fait? Hop là. Donc, ça, c'est quoi ça? Je peux voir cargaison. Rapport poids, je suis en galère. Hein. Écoute, je sais pas. On y va? Ah, on y va, les gars. Oh, ça va être dur. Oh là 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 là, il tourne plus, il avance plus. Il avance un peu, mais il tourne plus par contre. Ouais, galère. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que je dois ramener. On verra vite. On verra bien. On va le ramener et puis on verra bien. Allez, let's go. Tac. Franchement, si c'est de la route comme ça, les mecs, on est large. La vérité. Hein. La vérité, si c'est de la route comme ça, on est large. Je vois qu'il y a des. Ça a l'air d'être des planches de bois, ça, les potes. Donc je me dis que c'est bon, en fait. Autant. Autant, on a tout ce qu'il faut, on est plein là. Oh là, j'arrive fort, là, j'arrive fort. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de descendre, je suis full. Ah, merde! La galère! Ça passe, tu crois? J'aurais dû envoyer à fond, là, j'aurais dû envoyer à fond. Ouais, c'est bon, ça passe. Easy. Large, 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 large. T'as un gagnant, Serge, t'es un gagnant. Faut pas trop se prendre la tête en plus, ça passe, tu vois, c'est. Toujours là à se dire, ouais, c'est pas sûr, mais si, c'est sûr. Faut envoyer un peu. Hein. Oh là là, il est super chelou à tourner. Ok, c'est là, on arrive au pont. Alors attends, on va freiner là. Ralentir, ralentir, ralentir. Calme-toi. Voilà. C'est pas facile, hein. On dirait pas, mais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut que je me mette là. D'abord le métal, ils ont dit. Gestion de la cargaison.
Lorsque vous déchargez une cargaison, vous pouvez avoir plusieurs options proposées qui peuvent vous servir pour plusieurs objectifs. La zone de déchargement actuelle est utilisée pour finir votre tâche actuelle, mais il y en a peut-être d'autres utilisées dans d'autres contrats. Hop, je vais mettre le frein même parce qu'il est en train de descendre tout seul. Hop, déchargé. Yeah! Déjà ça c'est fait. Et réfection du vieux pont et hop! Le pont progresse, mais ce n'est pas encore fini. Pour terminer, livrer une autre partie de la cargaison sur le site de construction. La cargaison dont vous avez besoin se trouve à l'usine de bois locale. Ah merde! D'accord. Ah putain, donc elle me sert à rien cette remorque de merde. Ok. Donc je vais. C'est quoi la remorque? Je vais la laisser dans le coin là. Tu vas voir. Au final, on s'en fout un peu. Ah putain, il tourne pas ce camion de mort. Je vais pas la laisser là parce que sinon je pourrais pas faire mon demi-tour tout à l'heure. Je la foutre sur un bord de route, de toute façon on va pas se la faire voler. Et te dire, il y a 4 bouts de bois dedans. Bon, je sais que c'est bientôt la saison du barbecue, mais. Je vais la mettre à la station essence. Je vais la mettre à la station essence. Et après, j'irai chercher celle qui est à l'usine de bois. D'ailleurs, faut passer par où pour y aller? Ok. On va revenir par là. À moins que je passe par là. Et ça va être la... Oh, quoique, je suis sûr que ça passe en vrai. La vérité, je pense que ça passe. Ah, je sais pas. Peut-être mieux que je prenne un truc comme ça. Ou je vais direct là-bas. Je la pose là-bas. Hein. Il me reste de l'essence. Ouais. Go direct là-bas. Oh, tourne, tourne. Oh la vache. J'ai flippé ce truc. Allez, on pousse. On pousse. Ouais, je jure que je vais pas arriver à passer à cause de cette remorque de merde. Ah, là, je vais en chercher une autre. Donc au final, j'ai envie de te dire... Ça va être la même fight. Attention, gros caillou, caillou, caillou! Ouh! Ouais. C'est bon, ça passe. Tout va bien, tout va bien. Ah, encore de l'eau là. Ça vaut mieux pas se casser la gueule là. Il y a de l'eau en dessous et tu te noies direct. Ça sert à rien, ça passe. T'inquiète pas. C'est dans la tête ça. Attention au caillou quand même. Voilà. Bien brave. J'ai bien brave. Il est vraiment trop bien fait ce jeu. Il est vraiment trop bien fait. En plus, on peut jouer en coop à 4. Et ça se fait quand même pas mal plaisir. Ok, il roule pas mal en fait. Hein. Tu sais qu'il avait une sale tête. Je me suis dit, on va pas y arriver avec ce truc. Bah, en vrai, il roule bien. En vrai, il roule bien. Il consomme un peu quand même. 8 litres à la minute. Mais bon, t'as 240 litres, t'es large. Ok, on arrive à l'usine à bois. Je vais poser celle-là. Ouf, l'usine... À bois est le meilleur endroit pour récupérer des planches dont vous avez besoin. C'est le moment de s'y mettre. Une petite seconde. Je vais juste. Je vais juste poser ça à un endroit où ça va pas nous gêner. Attention, petite technique là. Je vous montre les gars. Hop, voilà. C'est pas compliqué, faut juste faire comme ça. V, détacher la remorque. Oui, voilà. Un moment. L'usine à bois est le meilleur endroit. Oui, ça j'ai vu. Non, non, c'est bon. Allez, on va récupérer un petit peu du bois. Tourne, tourne. Oh, il galère. Oh, la vache. Nice. Gestion de la cargaison. Chargement auto. Et bibim. x2. Direct. Ok. Ah, bah, pourquoi je peux pas prendre le deuxième? C'est quoi ce bordel? Voilà. Allez, let's go. Pas besoin de faire un. Je sais pas pourquoi il y a un treuil là. Oh, que c'est lourd. Oh, j'aurais jamais dû me mettre là. Oh, l'erreur. Genre que je vais m'embourber comme une grosse merde. Vous pouvez utiliser votre treuil et l'accrocher à quelque chose à proximité. Ah ouais? Votre
Votre œil doit être lié à un objet suffisamment solide. D'accord. C'est pas très bien fait là. Galère un peu. Si je peux m'accrocher à rien, on fait comment? Hein? Parce que je vois des points nulle part. Je peux pas, les gars. Ah, je vais arriver à m'en sortir peut-être. Oh, je le plie l'arbre. Ça m'aide en tout cas. Regarde le sapin du Seigneur, regarde. Ah, le sapin du Seigneur qui me sort de la boue. C'est pas beau ça? Hop. Bien brave. Ah, c'est un peu chiant cette histoire de souris là. Voilà. Ah, je suis un peu plus lourd avec le bois là, on va pas se mentir. J'adore. Donc on est arrivé par là, hop, on va tracer par là, on va aller faire cette petite livraison de bois. Tac. Ah ça va, hein. Dès qu'il est lancé, il roule bien en vrai. Il est pas trop mal. Hop là, ouh, ça dérape, ça dérape, ça dérape. T'inquiète, ça va le faire. Ah là, faut y aller à fond, là, faut y aller à fond. Parce qu'en plus, il y a une petite montée après. Allez, pousse, 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 pousse. Ça va, il est solide quand même. Allez, pousse. En plus, le jeu est pas très regardant, les amis, je vous le dis. En processeur, il fait que 10 Go aussi, c'est pareil. Si vous avez une petite connexion, vous galérez pas trop à le télécharger. Ok, j'arrive à la route là. Attention, on ne penche pas un caillou à la fin comme une merde. Hop, attention, direction la gauche. Oh putain. Ça, au volant, ça doit être fou. Ce qui est bien, c'est au moins on pollue pas. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, voilà. Zéro pollution dans ces camions, ça se fait plaisir. T'es en première, il galère le bordel. Dès qu'il passe la seconde, ça commence à aller mieux, mais tu sens que la première, elle a du couple, mais. Attention, ich. Petit frein à main, hop. Allez hop, on décharge, et bim! Nouveau rang de conducteur. Lorsque vous avez assez d'expérience, vous obtenez un nouveau rang de chauffeur. Chaque rang vous offre de nouvelles options en matière d'achat de véhicules et de pièces supplémentaires. Certains objectifs demandent également un certain rang de chauffeur avant de les déverrouiller. Appuyez sur F4 pour accéder à votre rang de chauffeur. Oh, c'est beau, je suis rang 2, les amis. Je suis rang 2. Dans le Michigan, j'ai fait 5% du Michigan, les potes. Véhicule débloqué 2 sur 8. Point de vue découvert 1 sur 26. Mais c'est immense. Amélioration découverte 0 sur 21. Ceci est votre profil de chauffeur. Ici, vous pouvez apprendre beaucoup d'informations utiles sur votre progression. D'accord. Ok, il faut que je m'en souvienne. Il y a les contrats et tout de là-haut. Ah, il y a ceux que j'ai fait. Ah, c'est pas mal. Hein. Ok. Nice. Contrat accompli, n'est-ce pas magnifique? C'est aussi beau qu'avant. Maintenant, vous pouvez quitter la péninsule et atteindre le garage. Commencez à chercher votre prochain contrat. Chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et des points d'expérience. Chaque tour de guet découvert vous récompensera avec de l'expérience. L'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rangs de chauffeurs nécessaires pour déverrouiller de nouveaux véhicules d'amélioration. Vous pouvez suivre votre progression depuis le menu profil F4. Pont réparé, beau travail, beau travail. Vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat. Maintenant, la ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. Alors, comment ça marche les sauvegardes dans le jeu, les amis? On va aller au garage. Ah, je prends la main. On va aller au gars. Oh, il est parti en berne, le truc. Il est parti en berne, les gars. Oh, merde. Vous avez endommagé votre véhicule, vous pouvez ouvrir le menu fonction pour des informations exactes. D'accord. Le garage.
Et où est le garage, les amis? Ah, il faut absolument que j'aille débloquer la entrée du garage, elle est là-bas. Ok, bon, on va s'arrêter là pour ce let's play, les amis. On a réparé le pont. Prochain objectif, direction le garage, la tour de guet et tout ça. Je sais pas du tout comment on enregistre dans le jeu. Faire si je fais retourner au menu principal. Attention. Je sais pas si on peut. Hein. Je sens qu'on va aller chercher le garage, les potes, parce que j'ai peur. Hein. J'ai pas envie de devoir refaire ça. Est-ce qu'on n'irait pas débloquer la. Il y a des tours de guet de partout. Attends, mais le garage est là-bas? Faut que je trouve le garage. Mais il est à Tataouine les bains. Bon, écoutez, on va arrêter ce let's play là, puis on va s'en faire un autre. On va aller chercher le garage. Merci à tous, abonnez-vous. Je vous mets le lien de la playlist dans la description. Si vous voulez vous mater les vidéos, abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est la famille, et puis ça aide. Merci à tous.